Il y a un mois, je suis parti direction Toulouse. Départ Adventum 2019. Un road trip, des routes de fou, des maisons de fou, des potes de fou, des motos de folie. J'ai donc pris le train de Lyon direction Toulouse avec ma valise énorme. Et j'ai rejoint la team Liberty Rider qui organise ce voyage dans leurs locaux. Je vous laisse donc avec la vidéo pour découvrir cette équipe de folie, mais forcément aussi le début de nos péripéties. Je vais te la prendre sur le dernier mètre. Voilà. Regarde. Regardez, il porte ma valise. Pas du tout, c'est un mensonge. Salut. Bien le bonjour. Titouan. Titouan qui va nous accompagner. Ouais, Adventum. Responsable du service client chez Liberty Rider. Donc je traite les grandes boutiques et vos demandes entrantes. Quoi ça va pas? Et très bien, merci Titouan. Super à l'aise. On va rencontrer le sang. C'est un Cambodgien aussi qui travaille chez Liberty Rider. Les gars, je suis avec le Cambodgien le plus près du rap jeu. Ça va ou quoi? Et toi? Ça va très bien. Est-ce que vous voyez une ressemblance oui, ou pas? Oui. On vient du même bled. Juste un peu, juste un peu. Énorme mec. Bonjour, moi je suis Julien, un des cofondateurs de Liberty Rider et je m'occupe du marketing. Et je suis aussi celui qui vous envoie les mails quand vous avez des nouveautés dans l'application ou toute autre chose. Cool. Cool. Yes. T'as vu ce que ça s'appelle? Chimera. Ah, ils sont là, regarde. T'enlèves voilà. Le I et le A, ça fait Khmer. Bon, et... bien vu. Tu parles un petit peu Khmer? Non, tu m'as. Tu peux te dire. Tchembelpsur? Tchembelpsur? Ah, d'accord. Ah, vous, t'as vu l'accent, t'as eu peur. Nul à chier. C'est dommage, je la voyais mieux. En fait, t'avais jamais regardé? Non. Bière gratuite à volonté. Quand t'arrives sur une zone où il y a des flics. Tac, ça t'avertit comme ça. En bleu. Tu connais là, ouais, tu connais. Mais, hein. Mais pourquoi c'est en bleu? Non, mais pourquoi? Bah, tout simplement parce que on est très reconnaissable avec cette couleur. Arrive proche d'un danger, 500 mètres, 200 mètres et 100 mètres. Voilà. Et si j'appuie là, je signale un danger à la communauté. Ça, c'est pas encore sorti. C'est en exclusivité que tu le vois là. C'est en exclusivité, mec. C'est cadeau. Les Eurasiens, les plus beaux du monde. Vous en avez la preuve vivante ici. On est au-dessus, les gars. Mais surtout lui. Au-dessus. Surtout lui. Arrête. Surtout. Tu veux devenir tout rouge. Bon, là je suis dans l'hôtel les gars. On a fait une petite visite des locaux Liberty Rider. Super cool, l'équipe, on flic, jeune, dynamique, etc. Tout ce qu'il faut. Demain départ à 10h, direction Béziers. Là-bas on va retrouver le poteau Carbone 23, Chris RS, Moto Geek et Calypso. On se retrouve demain pour le départ. De vlogger, de faire des plans comme ça. J'aime ce sac énorme. Ouh, réveil à Toulouse. Il est 10h moins quelque chose. J'avais rendez-vous à 10h avec Liberty Rider. Donc autant te dire, on part sur un petit retard. Mission de ce road trip dans chaque ville, acheter une carte postale et l'envoyer à ma grand-mère. Attention, 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 attention. Alors, je suis dégueulasse. Attends, pas de... Il n'y a aucun style. On veut chaud. Ça me plaisir, Léon. Slow down. Slow down parce qu'on va trop. Non. On va lentement. On est à 50 et à 80 tout le temps. Même sur autoroute, on est à 120. On dépasse jamais les 120. On peut se le dire mort. Que les meilleurs sont dans cet ascenseur. Les meilleurs sont dans cet ascenseur. Les meilleurs. On va grave. Ah. Les meilleurs. Adventum. Les belles. Ouais, on part tous les trois à Adventum. Non, je ne viens pas. Un petit bisou quand même parce que il ne vient pas au road trip. Oh putain. Bon Adventum les gars, profitez bien. Et force à toi. Et le dans meilleur, le cœur. Le meilleur de YouTube, le meilleur. Les Khmer, on est là. Bah allez, bis frérot, Inch'Allah. On se voit samedi. Julien et Sushi ne se reverront pas de la semaine. Les promesses de Julien faites à Sushi de se voir le samedi au bol d'or se sont évaporées. Je vais des motards. T'as dit quoi? Tout de même. Nous venâmes d'arriver sur la gare de Béziers. On attend le poteau Carbone 23 et on descend cette petite F800. Tu t'es encore cassé en marche. On passe sur une casse d'ongle. Tu peux pas nous aider en vrai? Et les marques elles vont dire quoi après? Ah, vous avez, il a pas filmé les sushis. Allez madame, allez. Montrez-leur que les filles c'est pareil que les garçons. Voilà, bon. Moi j'ai servi à quelque chose. Non, merci beaucoup. Attends, 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 elle se reprend là. Non, 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 yes, complètement, fais gaffe à la roue avant.
We fucking did it. Ça va ou quoi, frérot? Ça va, frérot? Oula. Il veut déjà m'embrasser. Bon, les enfants, on vient de manger. Mission de la journée, on va à Perpignan avec Carbone 23. Pour faire quoi? Se couper les vaches. Exactement, parce que yes. c'est un peu incroyable. C'est un beau gosse. Donc, on va se changer et on se retrouve sur les motos. Allez, bisous. Et bien du coup, nous nous retrouvons sur la petite, je crois c'est une 90 de BMW qui appartient à François de chez Liberty Rider, qu'il m'a gentiment prêté, donc merci à lui. Et évidemment, si on me la prête à moi, elle est sur la réserve. Du coup, il faut aller faire de l'essence. 1h16 de route pour aller au coiffeur. Mais bon, c'est un pote à moi, je sais qu'il fait ça propre. Il y en a une à 16 km. On met un peu plus de rythme. Parce que gros, je m'endors là. Oh là là. Un missile. Elle est magnifique. J'avais moi ça là. Oh, elle est violente ça. Oh. Oh. Elle est si belle. Ouais, c'est quoi ce petit trou? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Et pas du tout. Oh, yo, 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 yo. Bon, on a encore des épaissies en haut, mais t'as un peu de cheveux là, non? Ouais, vas-y, tu peux m'enlever s'il te plaît, ça te dérange ouais, pas? Un peu. Merci, ouais, comme ça, ouais, bien, ok, ouais, avec douceur et amour, comme d'hab, ouais, super. J'en pense que t'as bien fait de le frapper. Tu entendais le claquement? Ça, ça veut dire que c'est bien coupé ça. Tu vois? Attends, j'ai pas bien entendu. Ouais, la coupe est fraîche. Et les contours sont faits! Et là, vraiment, il y a les contours de qualité! Bon les gars, on a fini la coupe. Regardez-moi. Beau gossitude incarné. Et donc on peut remercier Akila sur Instagram. J'ai paniqué les gars, j'ai paniqué. On est sur un fondu à blanc, bien blanc là. Et on monte bien noir. C'est du travail de qualité. C'est tout doux. C'est ça, c'est un détail qui tue. Tout doux. Voilà, ça c'était. T'as tout doux bang. Les gars, SMR, on va se faire craquer le dos aujourd'hui. Écoutez. Et pas du tout. Et pas du tout. Et bonne soirée. Tu mettras ça au bruitage? Bon, attends, montre-nous dans ton petit fondu. Il est vrai que le motovlogueur le plus frais du moment. Ah, il est là. On va pas se le cacher, il est présent. Regardez-moi ça. C'est moi? C'est qui? C'est toi? Mais ça, j'ai flippé, Pélo. Et nous voilà repartis sur les bolides. On a fait la petite coupe fraîche, comme vous avez pu le voir. Je pense qu'on est sincèrement les seuls qui faisons Béziers, Perpignan pour aller se faire couper les cheveux. Là, ils nous attendent au restaurant. Ils avaient réservé pour 20h30. C'est marqué qu'on arrive à 21h22. Bah, on est large, hein. Pélo, je suis tellement pas prêt à faire une heure de route, là. Je suis tellement pas prêt à faire une heure de route. Ouais, c'est pas pareil. Toi? Ah, là? Gros, je comprends rien à la réserve de cette moto. Je sais pas où c'est l'essence. Je crois que j'ai pas. Carbone 23 qui a découvert qu'on payait avant à la station essence. Et qui du coup a rempli sa moto par l'arrière, parce que le réservoir est à l'arrière. Mec, se barre sans son pote. Excellent! Mec, t'as des éoliennes qui s'allument tout en même temps. Je sais pas si vous voyez. Ça fait des points rouges dans le ciel. Je me suis chié dessus. C'était Stranger Things ou je sais pas quoi. Ça va, j'aime pas moto. Y'a plus d'essence. Pourquoi tu me dis d'aller là?
Non, tu peux payer par carte, ça veut dire. Mais qu'est-ce qu'il veut m'embrouiller? J'ai rien compris. Eh ben, ça boit cette machine, hein. J'ai rempli tout à l'heure, déjà plus d'essence. 12 km, j'ai fait 37 km déjà. Est-ce que tu penses que ça passe, Pélo? Ouais, non. Ça va faire 50, hein. Ouais. Oh, j'espère que je tombe pas en panne, hein. Parce que là, là, c'est chaud. Le mec, il dit ça, il tape. Il pousse la première, il a absolument aucun sens logique. Eh ben ça boit, c'est bête. Mais super cool à conduire. J'avais jamais eu de bicylindre à plat. Alors par contre ça vibre vraiment énormément. Mais c'est très coupleux et en plus la transmission à cardan derrière, un véritable délice, pas de bruit de chaîne. Et t'as la puissance tout de suite. Regardez en fait, il y a un couple de renversement. Je ne bouge pas la moto. Ça bouge tout seul. J'envoie une photo. Le mec à la station service, il nous snappait. Ah ouais? Ouais. Ou alors il s'est pas utilisé son téléphone, il était comme ça. Dans un sens stop, Pélo. Tout plein de chiens, on dirait le Portugal, gros. Eh, les Portugais, là. Avouez, il y a plein de chiens au Portugal de partout. Ah, ça me fait kiffer. Merci, bonsoir. C'est où? C'est censé être par là. T'as le nom de restaurant ou pas? Non. Ah. Ouh, update de la journée, on a coupé les tifs. Ah, ça va faire au moins 20 fois que je le répète. Là on a mangé, on a rejoint tout le monde. Calypso, Chris RS, Motogeek, Manu le plus beau. On part quand même sur à peu près 50 euros aller-retour pour se faire couper les cheveux. Pire idée du monde, pire idée du monde. Mais c'était bien, c'est mieux, on est bien coupé. Car évidemment, voilà. Erika. Et santé, santé de fourche. Les thés de fourche, vous connaissez sur les motos. Santé de fourche. Oh, j'ai allumé le phare, Pélo. Le phare, il s'est allumé. Position aérodynamique. Et de une, et de deux. Ouais, c'est électrique, ouais. Oh putain, j'ai tellement peur. Oh putain. Oh, j'ai flippé de fou. C'est ça qui fait flipper un chat. C'est un faux chat. Ouais, si elle est bonne ou caisse ou pas? Oh, elle est middle. Ouais, non, franchement, elle est bonne. Oh, ça bûche. Oh, t'es prêt? Oh. Bon. Vas-y. Regarde, deux chicots à moi pour. Chris, que vas-tu me faire? C'est bien! Ah, ouais. Ah, c'est mon lit. Tu vas dormir dans la baignoire, ok.